Hey, salut tout le monde, bienvenue pour le 10e épisode de Geyser to Commander. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sous la cam, il n'y a plus le petit truc. Parce que j'ai une petite histoire à vous raconter aujourd'hui qui m'a pas trop fait plaisir. Enfin, pas trop fait plaisir, non, pas vraiment, mais bon, vous allez voir ça, je vais vous raconter ça. Parce que j'ai fait une petite expérience sur Windows 10, qui ma foi assez sympathique, hein, je veux dire, enfin, après tout, Windows 10, j'ai rien à reprocher, à part que il est bien pour 99% des gens à peu près. Donc pas pour moi, forcément, parce que en fait ce qui s'est passé c'est que bah, je suis passé sous Windows 10, voilà, bon j'ai formaté, tout s'est bien passé et tout, j'ai pas oublié de faire mes sauvegardes, etc, etc. Puis, bah, j'ai voulu jouer sur Windows 10, donc jusque-là tout marche à peu près bien, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, moi je joue à mes jeux, comme j'ai trois écrans, en fait je joue à mes jeux en mode fenêtré. Le problème, c'est que Windows 10, quand tu joues à tes jeux en mode fenêtré, comme j'ai deux écrans qui sont 120 Hz et un qui est 60 Hz, bah, dès qu'il se passait quelque chose sur l'écran 60 Hz, ça réalignait les deux autres écrans à 60 Hz. Ce qui fait que j'étais obligé de jouer à 60 Hz, en gros, puisque forcément, il se passe forcément quelque chose. Hein, j'ai forcément quelque chose sur la fenêtre du troisième écran. Et donc, forcément, ça me poser des problèmes puisque j'avais pas vraiment envie de jouer uniquement en plein écran, hein. Jouer en plein écran c'est un petit peu dérangeant quand même quand t'as plusieurs écrans, quand t'as qu'un seul écran c'est pas choquant, enfin tu t'en fiches un peu, mais quand t'as plusieurs écrans franchement t'aimes bien alt-tab rapidement comme ça, aller checker un truc sur internet sans perdre de vue le jeu que t'es en train de, auquel t'es en train de jouer actuellement. Et du coup bah, ce qui s'est passé c'est que j'étais un petit peu obligé de réinstaller Windows 7, hein. J'ai essayé, j'ai cherché, j'ai eu du mal à trouver d'où ça venait. Mais j'ai fini par trouver et bah, du coup, il s'avère que c'est un problème avec Windows et que j'ai pas vraiment le choix. Je suis un peu obligé de... Comment dire? Je suis un peu obligé de faire sans plutôt. Donc... Oh, j'y crois pas l'enfoiré. Oh, j'y crois pas le mec double bêtis au même endroit, tu sais. Bref. Du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant sous Windows 7, bah, comme une grosse merde, j'ai oublié de faire la sauvegarde de ce que j'avais sur mon bureau. Et entre autres, j'avais ça sur mon bureau. Donc, j'avais pas grand chose sur mon bureau, c'est pas bien grave, mais j'avais ça. Du coup, je vais pas pouvoir. Parce que le but, en fait, de ça, c'était de vous montrer un peu à la fin de l'épisode. En gros, c'est qu'est-ce que. Enfin, à la fin de l'épisode, à la fin de la série, c'était vous montrer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Oula, tu lagas mort, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette série et tout, quelles sont les parties auxquelles j'ai bien joué, pendant lesquelles j'ai bien joué, les parties où j'ai mal joué, etc. Le but était un petit peu de ça, tu vois, de voir un plus mes meilleurs scores, de voir mes moins bons scores, c'était un peu de voir tout ça. Chose qu'on ne peut pas voir, bien sûr, nativement sous Black Ops 2, on peut voir juste le ratio total, et puis voilà, on peut pas vraiment voir quelle partie on a bien joué, quelle partie on a mal joué. Peut-être, je sais pas, les moments de la journée où j'ai vraiment joué comme une merde, j'en sais rien, quoi. Bref. On peut pas vraiment voir ça et du coup bah je voulais faire ça mais en fait je pense que ça va pas être possible, du coup bah je l'ai enlevé. Alors j'aurais pu reprendre ce que j'avais fait en fait, c'est-à-dire j'aurais pu reprendre le total et puis remettre le total carrément que j'avais la dernière fois, mais ça servirait pas à grand chose puisque au final moi ce qu'il me fallait c'était un petit peu plus genre bah combien, enfin un peu un plus détaillé quoi, du coup sinon il suffit juste d'aller voir le journal de combat et puis j'ai ce que je veux quoi. Donc voilà, du coup bah c'est un petit peu dommage, j'ai pas vraiment ce que je voulais. Je me suis un petit peu chié dessus, je dois vous avouer, à ce moment-là. J'aurais carrément pas dû formater très rapidement, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ça marchait pas sous Windows 10, en fait, j'ai passé. Aujourd'hui, on est dimanche, là, et j'ai passé le samedi à essayer de faire marcher le truc, mais ça voulait pas. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, oh, puis merde, je repasse sous Windows 7, et puis voilà, je me fais pas chier, mais en fait, en fait, j'ai fait ça trop vite, et du coup, j'ai un peu oublié de reprendre mes sauvegardes, mais bon. C'est pas bien grave, hein. De toute façon, ça ne touche que ça, hein. J'ai pas perdu tout ce que j'avais sur mes disques durs, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus, je me suis pas tapé un gros virus, mais bon, c'est un truc un petit peu chiant, quoi. C'est un petit détail comme ça qui est un petit peu dérangeant. Bon, nous sommes à combien là? Nous sommes à beaucoup de kills là. C'est moi, c'est un ennemi là-bas. Il semble bien. Oh putain, il a tir rapide sur son truc. T'as quoi toi? SMR réflexe? Non merci. Donc du coup. Aujourd'hui, nous sommes avec le Vissat et avec la... Oh my fucking god! Oh, j'ai plein de balles maintenant! Oh, nickel! Donc, nous sommes avec le Vissat et avec l'IEM. Et ça fait bien plaisir, puisque du coup, je peux tranquillement faire un petit peu des séries nucléaires assez facilement, tu vois. Reviens là, toi, je sais que t'es là. Hop là, motherfucker hacker! Motherfucker hacker! You fucking what, mate? Notre traite de hacker, c'est pas bien ça, quand même. On est à combien là? On est à 15 kills? Oh, peut-être moins de 15 quand même. Oh! Il m'a mis cher lui. Oulala. Oulala.
Your father hacker, you mother pussy. Eh bah dis donc. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Des obscénités pareilles? Je ne tolérerai pas ça sur ma chaîne quand même. Oh. Vas-y, regarde. Oh, je tire à port touche. Il m'a tué instant en tirant à côté. Ah, oh, c'était pas mal ça. Ça, c'était vraiment sympathique. Franchement, j'ai bien aimé quoi. Oh mon dieu. Oh, pouf. Qu'est-ce qui m'a fait marrer? Bon, bref. Du coup, aujourd'hui, on est reparti. On est reparti bah, avec un ratio de je ne sais pas combien. Puis de toute façon, maintenant, bah tant pis, on s'en fiche, hein, c'est pas grave, mais. C'est dommage quoi, je voulais montrer ce que j'avais créé. C'était mon bébé. Non mais bon, voilà. Du coup, on va faire sans et puis tant pis. Tant pis. Alors, il y a toujours lui qui campe là. C'est vrai qu'avec ses doubles bêtises, etc. Là, on peut. Je sais pas si. Il est descendu ou. Mec, il est. Attends, il est où? T'as quoi toi? Fasse ma quick draw. Putain, mais c'est la même. Non, mais je vais pas prendre deux fois la même. Ah, forcément. Ça, c'est trop chiant quand t'as pas pire parce que à chaque fois, tu t'arrêtes pendant 3 secondes pour prendre une arme et puis c'est pendant ces 3 secondes-là, forcément, que l'ennemi va arriver, tu sais. Alors, il peut pas arriver après, quoi. Non. T'as quoi toi? Putain. C'est quoi cette manie de pas mettre la crosse, les gars? Mettez la crosse sur votre haine, franchement. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant, je pense que je vais passer mon temps à ramasser des armes et juste pour juste le temps d'avoir la crosse, tu vois. Ouais, bah toi par contre, je sais pas pourquoi tu essaies de m'avoir au pistolet, mais je crois que tu vas pas y arriver là. Alors, fast mag, quick draw. Pff, y a que des quick draw, fast mag, y a pas de stock. Moi je veux de la crosse. Bon, c'est pas grave, hein. Oh putain, il m'a mis cher lui. Je me taille d'ici très très vite. Attends, il y en a encore un qui est là. Où est-ce qu'ils sont? Alors là, j'ai mis, par contre, cette fois, j'ai mis poids léger. Et je vais vous avouer que poids léger, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je me rends compte que maintenant que c'est juste trop trop bon comme atout. C'est juste trop trop bon. Alors, je sais pas où elle est là. Ils sont un peu... Ok, on va passer par là. Rapidos. Vite, vite, vite. Voilà. Ah, j'ai plus de balles, putain. Je sais pas s'il est encore là-dedans. Oh, 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 je crois que t'avais plus de vie. Hop là. C'est quoi ça? Bon. Il a pas la crosse, il a quick draw. Mort de rire. Bon, j'avais mon visade, c'est dommage. Oh là là. Je suis un peu déçu du coup. Parce que là, j'étais bien parti pour faire une bonne série. Bon, j'ai fait 30 kills. Si j'étais pas mort, j'aurais pu faire la nucléaire. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'en match à mort, c'est un petit peu tendu aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il a lui? The Gamer. Excuse-moi si je te plais pas. Hein. Je n'y peux rien. Alors, combien 7500 d'XP? C'est pas énorme ça. Hein. On est niveau 42, faut passer 44 pour avoir Pia. On va essayer de passer 44 alors. Hein. Ça va être un petit peu tendu, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Alors j'espère que l'audio est en synchro avec la vidéo, parce que c'est vrai que j'ai un peu galéré de ce côté-là, vu qu'il a fallu que je refasse un petit peu mon setup au niveau d'OBS. Mais ça devrait passer, je pense. Ça devrait passer tranquille. Alors, du coup, j'ai bien aimé la petite partie que j'ai faite. Alors, c'est vrai qu'il faut que je monte ça aussi. J'ai bientôt la stock. Faudrait vraiment que je l'aie, ça. Mais ça m'emmerde tellement de jouer sans la stock. Mais, ouais, je pense qu'il faut vraiment que je monte ça. Et c'est vrai que la MSMC, c'est quand même assez sympathique. Avec un silencieux comme ça, ça passe plutôt crème. Mais on va rester. On va tester le SCAR un petit peu, là. Histoire de faire monter le niveau de l'arme. Je pense pas faire de nucléaire sans cross, ça c'est clair, mais bon, on peut toujours essayer de faire quelque chose quand même. Allez, on est parti. Meltdown. Où est-ce qu'elle est ma classe? C'est celle-là? Ok. Team Deathmatch, c'est parti. Ouh, il y a un BZH. Il y a le Crazy Rabbit. Ok, let's go. Ouh, bon. Bon, du coup, cette expérience sur Windows 10 n'est pas concluante du tout. Je réessayerai quand y aura des jeux DirectX 12 qui sortiront et que ça vaudra vraiment le coup, tu vois. Mais là, ça vaut pas le coup. Ça sert pas à grand chose si ça vaut pas le coup. Donc, je vais rester sur le bon vieux Windows 7 qui marche exceptionnellement bien, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, lui, mais j'ai sauté par-dessus sa Betty parce que j'ai vu la Betty, en fait, quand je suis monté en haut de l'escalier. Et j'ai vraiment eu du bol, du coup, de réussir à sauter par-dessus.
Hop là. T'es sérieux, je meurs en tombant de là. Le mec m'a mis une balle, je tombe, je meurs. What? Il est pas mort, maintenant il est mort. Ok. Je me disais bien aussi, c'est bizarre ça. Le mec, l'allié, l'ennemi lui passait à 2 mètres, rien à foutre quoi. Ça campe à mort, j'ai envie de dire. Nous allons essayer d'aller débloquer tous ces campeurs là. Tu vois qu'est-ce qu'ils font tous là là? Quad feed! Qu'est-ce qui se passe dans cette partie? C'est pas possible. Pourquoi les mecs ils sont tous là comme ça là? C'est improbable. Oh my god. Mec, ils ont tous spawn au même endroit en plus quoi. Oh ok, ils sont là. Ouh. Ouh. Eh ben. Putain les mecs, c'est des chauds de la... c'est le chaud de la quéquette là, hein. Ils sont prêts à camper à coûte que coûte. Oh, il m'a one shot. Ok. Ok. One shot. C'est pas grave. Là, je les ai bien décampés comme il fallait. Eh. Oh putain, je suis aveugle. Je suis complètement aveugle. Le mec, il était en plein milieu de mon écran, je voyais même pas, tu sais. Genre, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, depuis tout à l'heure, là, j'arrête pas. J'ai fait 2-3, j'ai fait quelques parties aujourd'hui, et chaque fois, genre, il y a un mec en plein milieu de mon écran, puis je le vois pas, tu sais pas pourquoi. Ouais, là, je peux pas. Je pouvais en avoir un, mais je pouvais pas avoir les deux. Je me suis dit, c'est un petit peu trop tard. Ouais, c'est ça, tu crois que tu vas m'avoir, toi, en faisant du spawn kill comme ça, là. Hop. Oh, cette partie est quand même très mouvementée, je dois dire. J'ai pas envie de rester statique là, parce que ça le problème avec le... quand t'as pas la crosse, c'est que t'es obligé de rester statique si tu veux viser. Bonjour les campeurs, comment vous allez? Moi ça va très bien et vous? Hop là. Putain, ils sont tous encore là, oh là là. On va passer par là tu vois. Tac. Hop là. J'ai le bouclier anti-explosion. L'autre campeur aux pompes quoi, j'ai le bouclier anti-explosion, je me suis dit, j'ai vu la bêtise, je fais oh merde, je suis mort. Puis en fait je m'étais pas rappelé que j'avais le bouclier, mais j'ai bien le bouclier, mais ça marche quand même pas contre l'ennemi comme ça tu vois. Il s'est fait tuer par où lui? Oh putain là 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 là. Oh là 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 là, c'est tout comp. Putain mais je suis tout seul dans ma team. Pas cool ça. Allez. Non mais il... enfin, je suis grillé si je passe là. C'était un ennemi qui est passé là je crois, non? Non? J'ai cru voir un truc bouger en fait. C'est moi qui suis un petit peu aveugle des fois. Hein. Des fois je vois des trucs quand il y en a pas et des fois je vois pas de trucs quand il y en a, tu sais. Ok, je vais essayer de passer de ce côté là. Double camping, double camp. Oh, il lag bien lui. Waouh, et comment il est arrivé derrière moi lui? Mon dieu, what? T'es sérieux, le mec il est arrivé derrière moi depuis tout à l'heure en fait, mais il voulait pas tirer, tu sais. Putain, lui il lag à mort, c'est un truc de ouf. Il est un petit peu chaud à viser quoi, il est un petit peu en train de clignoter tout le temps. Alors là, je parie, je passe en dessous et je regarde en haut à la fenêtre et va y en avoir deux. Et il était en haut, ça m'a fait peur. Même pas. Putain, je suis déçu là du coup. Je suis un petit peu déçu là de ce que les ennemis m'ont. Ils m'avaient promis plein de camps là et puis voilà. Toi t'es un petit peu mauvais non? Tiens, laisse-moi prendre ça. Bon écoute, c'est un petit peu chiant pour tirer le. C'est un petit peu chiant pour tirer les shot charge ces trucs. Alright. Clic, 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 allez. Voilà. Est-ce que ça continue de camper en haut? Ah, il y en a encore, hein. Sérieux, il s'est fait tuer?
il y avait un allié là en fait. Les mecs ils regardent même pas dans leur dos ou je sais pas quoi, ils regardent pas sur leur map tout simplement. Un petit peu bizarre quand même hein. Ça c'est marrant de ramasser les Remington des ennemis tu vois, puis tu les tues avec. Ça, ça me fait tellement marrer. Bouffez ça dans votre gueule. Ça fait tellement plaisir ça. Oh mon dieu. Je sais pas comment j'ai mis autant de temps pour le tuer celui-là mais... Et hop là, le petit jump pour le dernier. Tac, prends ça dans ta gueule. Hero de puta, une merda. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est cela mon cher, c'est cela. Ah, niveau 43. Allez, faudra qu'on passe au moins niveau 44 cette fois. Oh, j'ai débloqué le balista. Une bonne occasion de ne pas l'utiliser, tiens. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai débloqué avec mon Scar? Je crois pas que j'ai débloqué encore. Ah, encore une partie, je vais pouvoir me faire plaisir, je pense. Et c'est vrai que le Fast Mag, c'est bien pratique aussi. Hein, les chargeurs rapides, c'est pas mal du tout. Tiens, d'ailleurs, je viens de me rendre compte. J'ai pas pillard et j'ai pas eu besoin de pillard. Putain, ça c'est ouf. C'est rare quand même les parties où t'as pas pillard et t'en as besoin. Enfin, l'inverse. Bref, vous avez compris. Pas grave. Ah. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit en fait, il parle tellement pas fort. C'est normal, hein, si vous l'entendez pas, moi non plus je l'entends pas. Ah, cargo. Ça c'est la bonne map aussi pour le Scar, enfin pour jouer avec un fusil d'assaut de toute façon. Très très bonne map, very good, very good map. Very good. Faudrait que je monte aussi, ouais, j'avais dit, faudrait que je monte le Fall aussi, mais... Que je le monte à fond, mais ça va être plus difficile. Bref, on va rester sur du Scar pour le moment. Très bon choix le Scar de toute façon. J'attends match à mort parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde en domination ce soir là. C'est un petit peu... C'est un petit peu désert, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je veux pas m'emmerder, je vais foncer tout droit. Parce qu'il y a toujours des snipers en haut en fait. Waouh. Je te prends ton snipe, toi on sait jamais. Des fois que j'ai l'envie d'utiliser un snipe... What? Mais j'ai un don moi pour que les ennemis me tombent derrière ou que je tombe devant les ennemis, tu vois, genre j'ai un don pour ça, c'est improbable. Oh my god. Fais peur, arrêtez de me faire peur comme ça. Ah mais c'est les mêmes campeurs que tout à l'heure. Ah mais j'ai pas changé de lobby en fait. Donc c'est normal. Oh my god. Vite vite vite, l'autre il a plus de vie là. Oh, apparemment il était encore full life. Ok, on spawn là, c'est qui spawn de l'autre côté. Il y a un balista là. Headshot. Oh genre j'ai failli le tuer. Oh j'y étais presque là. Putain j'étais vraiment pas loin. Attends ça pue un peu par contre ça c'est qu'on est un peu pas beaucoup de monde. C'est un 4 contre 4. Mec, tu vas te faire tuer dans le dos là en haut de ton. Tech. Ah, bah voilà, débloquer la crosse. Il suffisait de demander. Ah, grenade. Ouf. Ah, c'est 4. Ah. Stop. Je vous ai rien fait. C'est pas moi. C'est pas moi. Oh putain, ça campe encore à mort, un truc de ouf. Oh là là. Ah il est trop con. Qu'est-ce qu'il est con mon gars. Oh j'ai raté ça. Oh, ça va pas arriver derrière, je crois que ça allait arriver derrière. Oh, j'ai vu que je commençais à rater mes balles. Putain comment il fait pour arriver là. Mais d'où est-ce qu'il sort lui. Mec ils sont partout. Je sais pas comment il a fait pour arriver là. Oh, toi tu me tues pas deux fois d'affilée toi. Tu crois carrément trop là. Ah c'est pas mal l'empêche hein, même sans la crosse hein, ça passe hein. Putain je savais. Je le savais. Ah je croyais que c'était celui d'en haut qui m'avait tué. Non c'est celui d'en bas. Je me doutais carrément que j'allais me faire tuer. Mais j'ai pas poids léger en fait sur cette classe. Du coup bah forcément si je saute je mets un peu de 30 plombes à atterrir. Ok il m'a fait peur. Je me suis dit vaut mieux tirer et puis cut et tout que rien faire tu vois. Au moins quand c'est comme ça. Je peux pas.
Je peux pas. J'ai essayé de turn, mais. Je me suis dit, il faut d'abord que je tue le premier, puis que je turn sur le deuxième. J'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû turn sur le. Enfin, turn sur le deuxième avant de tuer le premier, tu vois. Waouh. C'est un peu de temps à arriver, mes balles, mais. Par contre, je comprends pas là pourquoi il y a que 28, 29, 22, tu sais. J'ai 19 kills. Oh, ce KS qu'il m'a fait, lui. Où êtes-vous? Putain, mais ils sont toujours en train de camper en haut. Je sais même pas pourquoi je pose la question, ils sont vraiment tous. Oh là là! Tous en train de camper avec leur snipe là. On va arriver bien dans leur cul là, tu vas voir. On va aller leur mettre, leur enfoncer le bout de la scar dans les fesses. Hop! Oh oh, what? What? Ah, mais ouais, mais ils campent dans deux côtés en même temps quoi. Oui, comme dit l'allié, too many pricks on one team. Un peu, ouais. Un petit peu trop de, un petit peu trop d'enfoirés par team là, c'est. Oh, c'est Harrington, ça, c'est bien ça. On t'entend mal, poteau. Comme dit l'autre, on t'entend mal, poteau. C'est exactement ça. Je l'aurais pas dit comme ça, mais. Il est où l'autre? C'est barré? Peu importe. Hein. Attends, il y en a partout là. Je peux regarder! C'est tellement drôle de faire ça. C'est tellement énorme quoi. C'est énorme! C'est énorme! C'est énorme! J'ai plus de balles! Et ça lag à mort! Et ça lag à mort, je me casse! Je peux pas, ça lag trop! J'ai 42 ping quoi! Ah mais c'est le serveur qui lag, oh je suis dégoûté! Eh franchement genre, ah non j'aurais peut-être pas pu faire le nucléaire, mais j'étais un putain de série là en plus! Putain je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, je me fais DDoS ou quoi, qu'est-ce qui se passe là? N'empêche, je m'en sors vachement bien avec ce petit scar sans cross, tu vois. Hop là, boum. Oh, c'est quoi ça? Il m'a fait trop peur, le mec. Putain, cette partie était un petit peu violente, hein, mais c'est vrai que ça campe d'arrache-pied, là. Enfin, je sais pas si ça peut se dire, ça campe d'arrache-pied, pas vraiment, parce qu'ils plantent plus leurs pieds dans le sol, là, du coup, mais c'était pas la bonne expression, mais ouais, ça campe à mort. On t'entend mal, gros. On t'entend pas. Méga killer. Ça, c'est pas mal, le méga killer. Alors, combien d'XP? Oh, j'ai fait beaucoup d'XP, là, attends. Oui, je sais, j'ai dupliqué ça, ça, ça. Ah, 24 000. Good. Good, 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 le 24 000, là. Alors, encore une partie, et puis je suis avec Pierre. Encore une partie, je suis avec Pierre, ça, c'est pas mal. Et du coup, maintenant, je peux... faire ceci, et ça c'est vraiment bon, ça va faire plaisir ça. Je suis rendu où avec celui-là? Ah, je suis pas rendu très loin encore, ça va être difficile. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le type 25, j'ai pas envie de monter d'autres fusils d'assaut en fait. Parce que la N94 c'est le dernier niveau de toute façon, donc ça va servir à rien. Le MTAR ça sert à rien, je préfère autant avoir le type 25. Puis au niveau des mitraillettes, faudrait la Scorpion, mais c'est à niveau 46, je pourrais utiliser la Scorpion quand même. Oh yes, carrière, c'est bien ça. Ça c'est cool, en plus avec le Scar, carrière, c'est vraiment la bonne map. C'est vraiment pas mal. Allez, let's go. Team Deathmatch. C'est parti. Allez, on va essayer de faire une partie. Alors je sais pas si ça va camper, j'ai l'impression que les campeurs sont dans ma team là. Ou alors ils sont quittés. Parce que je vois qu'il y a Popeye qui était dans ma team qui est en face là. Sonic, je crois qu'il était dans ma team, il est en face, je suis pas sûr. Mais je pense que ça va un petit peu moins camper. Alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas en fait, parce que... C'est vrai que tout à l'heure ça campait beaucoup, mais ça campait très mal. Donc l'un dans l'autre. Ah ouais, ça campe pas tout, ça campe pas vraiment là. Quoi il a fait pour... What? Comment il a fait pour arriver là moi? J'ai foncé au milieu de la map, le mec il est arrivé derrière moi quoi. Ok. Alright. Oh mon dieu.
Oh mon dieu, je l'ai eu. Quelle horreur. Quelle horreur. Ne regarde, fermez les yeux, ne regardez pas ça. Quelle horreur. Parce qu'il y en a un peu partout là. Ok, c'est l'hélico-pompe. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, je suis un peu dans la merde parce que je suis mal placé. Ok, je l'ai vu l'autre là. Top, 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 top. Toi, tu campes. Putain de chiotte. Tu campes pas derrière ta caisse là. Par contre, c'est vrai que pour les snipers, c'est un peu une map un petit peu. Un petit peu chiante quoi quand t'aimes pas trop les snipers. J'aime bien la map, mais. Un petit peu trop prône à la camp. Ça dépend, enfin ça dépend des joueurs de toute façon. Beaucoup de maps ça dépend des joueurs, mais. Tu vois, des snipers comme ça, ça va, tu vois. Les snipers qui ratent leur tir, ça c'est des bons snipers, tu vois. Quand ils ratent comme ça, c'est bien. C'est comme ça que je veux les snipers. Il m'a fait peur lui. Ouais, j'arrive bien dans leur cul. Oh putain, il se barre. Pourquoi il se barre? Reviens. Il court trop vite, what the fuck. Le mec il veut courir un marathon, tu sais. Putain, je crois que c'était un ennemi là. J'ai vu un truc là dans le... Je sais pas, en dehors de la map en fait, j'ai cru voir un truc, mais en fait non. Putain, il a un smo en plus. Je sais pas s'il voulait tuer quelqu'un avec son smo ou s'il voulait faire autre chose. Ça fout là ça. Je sais pas si ça fout là, mais... Alright. Allez. J'ai déjà balancé mon drone là ou je suis pas encore en série? Ok, je suis déjà en série, nickel. Je suis en série mais sans munitions. Comment je vais faire? Faut passer par là. Je peux pas. J'ai ramassé l'arme, j'aurais dû me barrer en fait, je suis trop con. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais carrément dû me barrer. En plus, j'étais déjà à 10-12 kills là. Si je m'étais barré, ça aurait été nickel, tu vois. Non, 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 c'est pas la Betty qui te tue, non, c'est moi qui te tue. Et la loi, c'est moi. C'est bon, t'as fini ton chargeur, je peux avancer. C'est le mec qui tire le chargeur dans le vent, puis après, t'as juste à venir le cueillir, tu sais. Ok, come on, come on. You dead. Putain, j'aime pas les Betty et les shock charges comme ça parce que même si t'as le. Elles font un point de dégâts, même quand t'as le. Donc quand t'as l'anti-shock charge, tu vois. Du coup, c'est un tout petit peu chiant parce que un de dégâts, des fois, t'es à 99 de. Tu viens de perdre 99 de vie, puis t'as pas l'air d'un con. Alright! Good game, good game. Putain. Wouh! Oh, V7. Let's go! Petit V7 comme ça là. J'ai plus de balles. Fuck. Putain. Scarache hybride. Ah. Ok. Wouh. Oh, merci l'allié là. Wow, nice. Pas mal cet allié. Hein. Pas mal du tout, je dois dire. Qui c'est qui met un hybride sur ce truc là? En plus, y a pas la crosse. Y a rien en fait dessus. C'est horrible ce machin. T'as pas de crosse, t'as rien. Puis y'a plus de munitions. Ah. Qui c'est qui met pas de munitions dans ses armes? Ouais, viens là, dis-moi que t'as un truc, toi. Balista. Eh. Dark. Oups. Oups. Je sais pas où il est. Je vous avoue que je n'ai rien vu. Donc... S'il te plaît, quoi, meurs à la fin. Bon, si je reste au milieu, je vais me faire tuer comme une merde. Si j'avance, je vais me faire tuer aussi comme une merde. Cherchez l'erreur. Ah, je peux pas lui tirer dessus de là. Bon. On a gagné 33-3, très bonne game. Tout se passe bien et je suis passé 44 GPR. Yay. Ça, c'est good. Ça, c'est very good. Very good. Alright. Je vais faire une petite dernière partie puis on va arrêter pour cet épisode. Oh, c'était presque la collette, ça, dis donc. Oh, ça aurait été un hitmarker parce qu'il lui aurait tiré dans les jambes, mais... C'était pas mal quand même, ça aurait pu faire un truc sympathique. Mais bon, du coup j'ai pillard, le problème de pillard c'est qu'il va falloir enlever quelque chose. C'est bien d'avoir pillard, mais si je suis obligé d'enlever quelque chose pour le mettre... Putain, j'ai encore fait une série de 15. Alors, donc sur celle-là,
Que vais-je enlever? Moi je dis je vais enlever ça, surtout si je fais du match à mort. Tac. Quoi, je peux pas le mettre? Faut enlever quoi? Ah oui, non, faut enlever ça aussi, c'est pour ça. Tac. Et sur le Fall. Sur le Fall, c'est bien aussi. On va faire exactement la même chose sur le Fall. Tac. Pillard, c'est parti. Je vais peut-être jouer au Fall d'ailleurs, tiens. Pourquoi pas? J'ai quoi comme camouflage? Berk, pas mettre ça. C'est moche. C'est trop moche. Ouais, je vais changer un petit peu, je vais pas aller forcément pour la nuque parce que sinon on va un peu se faire chier je pense tout le temps, donc on va mettre des séries un petit peu plus normal, hein? Si on peut placer ça normal, ça c'est pas mal aussi le machin là. Sur carrière, ça peut faire bien bien mal. Non, me quittez pas! Pourquoi vous quittez? On est très bien là. Viendez avec moi. Oula, il s'est passé quoi là? Nuketown, non, je ne joue pas à Nuketown. Je cherche pas à comprendre Nuketown, je suis guéri maintenant, c'est fini. Je joue plus à Nuketown, c'est trop de la merde cette map. J'arrête pas de le dire, et puis à chaque fois j'arrête pas d'y rejouer, là je fais là non. Là cette fois je le dis et je le fais en plus, tu vois. On a marre de dire les choses. Non, Express, j'aimerais bien Express moi. Ouais, mais ils viennent de la faire, c'est pour ça. Le truc c'est que j'ai pas envie de mettre ce score streak là si c'est pas une map très ouverte. Très très ouverte même. Du coup, je me demande si je vais. Enfin, en fonction de la map, je vais changer en speed. J'espère que ça va être. Oh, carrière, ça serait bien, imagine. On retombe sur carrière encore, et là. Là, c'est le bonheur. C'est les bonheurs. Tu veux du bonheur, mon ami? Tu vas voir. Meltdown. Ah, j'aime pas trop ça sur Meltdown. On va mettre ça. La tourelle, c'est super bien sur Meltdown. On va mettre ça comme ça. Ça, c'est pas mal, ça. La tourelle, c'est super bien sur Meltdown. Ça, c'est clair. Tu couvres les trois quarts de la map avec. C'est juste énorme. Avec deux tourelles, en gros, tu couvres plus de la moitié de la map et. Tu couvres les deux spawns, tu fais ce que tu veux. En match à mort, c'est le must. C'est juste énorme. Ok, allez, c'est parti. Let's go. On va essayer de finir en beauté, un petit peu comme toutes les parties qu'on a fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on a fait des putains de parties aujourd'hui, là. Je suis en forme, je devrais dire. Pas de campeur. Alright, you dead, please. Please, j'ai dit. Bon, y a déjà plus personne. Waouh, j'ai mis un tout petit peu de mal à le viser, lui, mais. Il m'a fait peur, lui. Il y en a un à la fenêtre, là. Voilà. Bon, un peu, petit peu galéré, mais bon. Pas grave. Comment ça, we're losing this fight? Il y en a un. Oh là, t'es en train de dire, c'est ça quand tu tires dessus. Y'a pas une bêtise là. Bref. Hop, t'es à côté. Il est à côté. Tout petit peu galéré, mais c'est pas grave. Vous avez rien vu. Enfin, le mec, surtout lui, il a rien vu apparemment. Donc, c'est ça qui compte. Non, je vais pas faire ça. Merci. Je pensais que c'était un drone, tu sais. J'étais resté encore dans l'optique nucléaire, tu vois. Donc. Je voulais balancer, mais en fait, peut-être éviter. Je vais continuer ma série, on sait jamais. Hein. Des fois que je fasse un petit 30, c'est. Un petit 30 sans drone, tu vois, ça serait sympa. Je sais pas d'où il est sorti, lui, mais. Waouh! Ouh, ça fait mal! Ah, Orbital V-Sat on standby! C'est le moment de se barrer. C'est le moment de bye bye. Ok, de bye bye complètement. Tiens, d'ailleurs, il s'est barré lui aussi. J'ai pas envie d'aller le poursuivre, mais. Je passais sur le côté, hein, parce que là. Oh, il y a l'autre qui attend en haut. Ça, j'aime bien quand le mec il attend en haut. Ah, bah non, il est descendu. Oh shit. Maman! Maman, ça c'était chaud là. Hein. Non, pas wake up. Y'a TeamSpeak qui me dit wake up, mais non. Pas wake up. Putain, je suis pas mal, hein. Franchement, je sais pas si c'est ma. Quelle série c'est. Je sais pas quelle série c'est là que je vais avoir. Ouh! Mais c'est moi, arrête de me tirer dessus, tu me fous les boules là.
sert à rien de me tirer dessus. Oh, ce KS! Putain d'allié! C'est à cause de l'allié, s'il m'avait pas KS, franchement, je suis sûr que je l'aurais eu. J'en sais rien, mais ça paraissait comme ça sur le coup, là. Ça paraissait que c'était la faute de l'allié, du coup j'ai envie de leur pousser la faute, parce que, de toute façon, c'est de sa faute, c'est tout. Je le dis, j'ai raison. Point, barre à la ligne, tirer, ouvre les guillemets. Ah, je me casse, vite, je me casse très vite. Ok. Putain, mais ils sont encore là-haut. Attends, parce que là, ça va rentrer à l'intérieur, tu vois, ça va être trop brain. Eh ouais, je suis derrière. Oh, je sais, il y en avait. Oh non, là, je suis. Non, là, je suis dégoûté. Parce que j'aurais carrément pu prévoir ça. Je l'ai même pas vu en plus, comme un aveugle que je suis. Hein. J'aurais carrément dû prévoir ça. Oh, heureusement que j'ai regardé là. Hop là. Toi, tu peux toujours rêver pour que je me prenne ta bêtise. Je pense que tu peux rêver. Putain, c'est un ennemi. Je crois que c'est un ennemi. Faudrait que je tourne la sentry gun là, parce qu'ils vont arriver de l'autre côté. Non, un en haut là, allons. Allons voir ce qu'il veut le campeur. Oh bon, tu as campo. Bah oui, campo. Oh, je suis mignon tout plein. Je suis mignon tout plein, les petits campeurs. Oh, il m'a fait mal lui, hein. Wouhou. Très mal même. Error, t'es mort. T-E-M-O-R. Oh, le mec qui double Betty. Le mec qui sème les Betty, tu sais. Le semeur de Betty. Ouais, il se passe quoi? Faut faire le kill cam avec le sniper, c'est ça? C'est jamais, hein, tu sais, des fois. Tu crois que c'est un hitmarker? Oh, kill cam. Pas besoin de sniper, moi. Qu'est-ce que tu crois? 41-2. Et bim. Oh, on a fait une putain de bonne partie aujourd'hui. Je peux vous dire que là, ça fait bien plaisir. Ça fait bien, bien plaisir. Donc, sur ce, bah, moi, je vais vous laisser là-dessus. On aura fait des bonnes petites parties. J'espère qu'on va continuer là-dessus. C'est vrai qu'on est pas mal. Du coup, je peux peut-être vous montrer un petit peu mon ratio, hein, parce que c'est vrai que, du coup, vu que je vous le montre pas en direct, on le sait pas. Mais bon, ça monte assez lentement. De toute façon, il faudrait juste, histoire que je remonte un petit peu. Genre, pas beaucoup, mais genre, ah, j'ai encore fait un 15 d'affilée d'ailleurs. Que je remonte un petit peu jusqu'à je sais pas combien. 4,60. Oh. T'es sérieux? Putain, je pensais pas que j'étais aussi allé. 4,77. Bon, bah, ça fait plaisir, écoute, hein. Ah, c'est vrai que les petits 20 de ratio, là, d'affilée, comme ça, ça monte pas mal. J'ai deux win-lose ratio, c'est pas trop mal, hein, sachant que de toute façon, entre les parties que je quitte, je sais pas si ça compte d'ailleurs, celle où je rentre et je quitte direct, mais bon, bref, si ça compte, voilà. Non, on est pas mal, presque 600 de score par minute, on est vraiment bien, on est bon pour un petit 5 de ratio à la fin des épisodes, à la fin de la série, je pense. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée et une bonne soirée, et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!